Il y a deux principes fondamentaux, c'est de rentrer régulièrement dans le marché et pas à un instant T. C'est-à-dire que si on commence à essayer de battre le marché en disant « Ah là, c'est haut, je vais vendre pour acheter après », ça c'est la meilleure façon de tout perdre. Acheter, oublier et réfléchir long terme. Quand je dis long terme, hein, c'est plusieurs années, parce que ça, c'est du vol. On est d'accord, hein ? Oui. Non, mais ça, ça m'a choqué. Ça. Voilà, je pense que je vois rien qui pourrait remplacer Bitcoin. Parce que c'est pas une course à l'innovation et c'est pas une course aux fonctionnalités. Alors que Ethereum, c'est quand même une course à l'innovation, aux fonctionnalités. Il y a encore plein d'updates nécessaires pour arriver à quelque chose de vraiment utilisable. Là, il y a plein de scénarios que je peux voir dans lesquels Ethereum disparaît. Alors pour Bitcoin. Éric Lachevêque, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Salut, ravi d'être là. On a pas mal de sujets à discuter et on va commencer par ce qui intéresse souvent le plus les gens, l'argent. Non, c'est une... les cycles Bitcoin. Ouais. Toi qui es ce qu'on appelle un OG dans la communauté, donc quelqu'un qui a une grande expérience en termes d'expérience de vie. Qui a vu quelques cycles déjà. Voilà. Ouais. En quelle année t'as touché 2013. Voilà. Donc t'en as vu quoi? T'en as vu 4 ou 5? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Est-ce que ce bear market ressemble aux autres? Est-ce qu'on est en bas? Est-ce que les performances passées ne préjugent jamais des performances futures et qu'en fait tout ça, le halving, on nous aurait menti parce que du jour au lendemain tout peut changer? comment tu visualises toi ce marché baissier Alors, ce énième marché baissier? Alors pour moi, il y a effectivement des cycles parce que le halving donne quand même une certaine régularité et donne un petit peu la note pour les investisseurs. Et comme on a déjà observé des cycles précédents avec les halvings, forcément, c'est un peu autoréalisateur. Et la prédiction de dire qu'en 2024, juin 2024, on sera à nouveau sur un marché haussier, moi, j'y crois toujours. Est-ce qu'on a déjà dépassé le bear market? Parce que c'est quand même dans un an, il reste un an. Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'on a touché le fond? Je ne pense pas. En tout cas, pour moi, il n'y a rien qui me laisse penser que là, d'un seul coup, ça y est, c'est parti, ça va remonter. Donc, il y a pas mal de nouvelles positives, il se passe des choses. Mais d'un autre côté, il y a encore un environnement économique avec la hausse des taux, avec plein d'éléments qui ne vont pas dans dans une augmentation du prix du Bitcoin à court terme. Donc, je pense qu'il peut tout à fait encore baisser. Et ce cycle de bear market, c'est le plus long qu'on a jamais vécu par rapport à tous les cycles précédents. Et il y a des chances que ça continue pendant des mois. Enfin, moi, je n'ai pas sabré le champagne. Je ne me suis pas dit, ça y est, c'est bon, maintenant, c'est la hausse. All-in. Non. Je crois toujours qu'au mi-2024, on va être dans une tendance très positive parce qu'il y a ce fameux halving qui joue un rôle qui pour moi est un peu autoréalisateur. Et je ne vois pas pourquoi là ça changerait. On pourra se poser la question 4 ans plus tard, est-ce que le halving a un impact de plus en plus réduit puisqu'on divise par deux, mais à un moment où à moins que le Bitcoin vaille 1 million de dollars auquel cas le changement aura un impact. Mais bon, si le Bitcoin vaut 1 million de dollars, en fait, je pense qu'on aura d'autres problèmes, parce que c'est-à-dire que l'euro, le dollar est tombé, et donc ce sera certes une bonne nouvelle pour le Bitcoin, les Bitcoiners, les maxis, tout ça, et peut-être les autres cryptos, mais je pense qu'économiquement, en fait, on sera dans un environnement où il y aura beaucoup de problèmes, d'inégalités, on sera peut-être obligé de vivre d'une façon différente. À la Mad Max, quoi. Un peu à la Mad Max, ouais, voilà. Donc, bon, un Bitcoin à 100 000, 150 000, 200 000, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, je pense c'est compatible avec une économie qui tient encore. Combien de temps elle va tenir, ça j'en sais rien. Pour moi, c'est inéluctable qu'à un moment ça va péter. Mais bon, ça fait 10 ans que je pense ça, donc ça peut-être encore durer 10 ans. Moi, il y a des fois, je comprends pas. Ça a déjà pas mal pété là dans les deux dernières années. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est une attaque de Jupiterien à laquelle tu penses. C'est quoi le stade d'après? La dette est intenable et on voit que là, dans les années qui vont venir, c'est exponentiel. Ouais. Et pourtant, en fait, c'est quand même un discours entre guillemets catastrophique de se dire que tout va péter. Moi, je le crois depuis même 20 ans en fait. Qu'est-ce que tu entends par là? Par péter, c'est-à-dire en fait qu'une monnaie a une durée de vie en fait assez limitée, c'est 50, 60 ans, et donc le dollar a déjà eu plusieurs vies, donc c'est pas le même dollar depuis plus d'un siècle, il a beaucoup changé, et je pense que ce dollar-là, il arrive en fin de vie. Et ça fait longtemps que je le pense, et le jour où le dollar va péter, le jour en fait où quelque part les États-Unis vont faire faillite, ça va quand même avoir un retentissement économique assez violent. Je suis
je suis pas capable d'exprimer ce qui va se passer et comment on va vivre, mais je pense que c'est pas forcément enfin, une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est peut-être la force des choses est inéluctable, et à un moment, il faut que ça arrive, et ça fait partie, en fait, du chaos ambiant. Et c'est peut-être ça qui poussera le Bitcoin à 1 million de dollars. Ah oui, tout à fait, c'est ça. Mais il ne vaudra peut-être pas 1 million de roubles ou de, je ne sais pas ce qu'ils voilà, ont. Enfin, disons qu'en tout cas, en pouvoir d'achat, sera peut-être... Il jouera, je pense, le Bitcoin va évidemment jouer son rôle de rempart et de protection du pouvoir d'achat et de protéger en fait ses avoirs, hein, puisque c'est de ça dont on parle. Avant, le dollar était limité, était basé sur l'or, hein, et donc il ne pouvait de toute façon dépenser qu'une partie. Enfin, il ne pouvait pas dépenser l'argent de manière illimitée. Le fait d'avoir débasé, ça permet de dépenser l'argent de tous les citoyens, puisqu'en fait on en imprime à l'infini, donc on peut financer les guerres, on peut financer tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on dépense l'argent en fait du peuple, et au moment où le dollar vaut plus rien, le peuple n'a plus rien du tout, et c'est ce qui va se passer. Donc forcément ce sera peut-être qu'on se dira ouais c'est super pour le Bitcoin, etc., mais en fait ce sera un drame, ce sera terrible. Je veux dire, on pourra pas se réjouir de la catastrophe ambiante et du fait qu'il y a des gens qui vont vraiment être dans la misère et mourir. Donc je veux dire, c'est pas forcément quelque chose que je souhaite ou dont je me réjouis, mais je pense que ça va arriver. Et quand, ça c'est la question. Et donc voilà, le jour où on sera à 1 million de dollars, 2 millions de dollars, c'est qu'il y aura eu un gros problème au niveau des économies mondiales, et notamment celle des États-Unis. L'euro probablement tombera avec. Mais en tout cas, pour revenir à plus court terme, je suis toujours assez positif sur le fait qu'en 2024, il va se passer quelque chose et qu'on va dépasser. Ce cycle haussier ira encore plus loin. 100 000, 150 000, pour moi, ça me paraît assez évident. Ça va dépendre aussi des résultats des élections en 2024 aux États-Unis, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent catalyser. Je pense que pour moi, le vrai prochain bull run, ça va être le jour où les États vont avoir des réserves stratégiques en Bitcoin et vont se protéger, se dire attendez, il se passe un truc. On va aussi protéger notre économie, notre État avec du Bitcoin, parce qu'effectivement, on ne peut plus avoir ça qu'en dollars, qu'en euros. Et ça va vraiment créer un emballement qui permettra d'avoir un Bitcoin là qui pourra vraiment monter en flèche, et pas uniquement parce qu'une monnaie est en train de tomber, quoi. Donc en gros, la courroie d'entraînement des halving est en train de ralentir ou de s'essouffler, ou je sais pas comment dire, d'être moins en moins puissante. Je pense, ouais, ce sera des vagues, des grosses vagues qui vont se transformer en vaguelettes, oui. Et globalement, après, c'est vraiment quelque chose des cliquets fondamentaux De toute façon... À mon avis, TF BlackRock. Évidemment, ça va jouer un rôle incroyable. Qu'est-ce que tu en attends, toi, de cette ETF BlackRock que tout le monde voit un peu comme le Messie arriver dans son vaisseau spatial? Alors, je ne sais pas si c'est un Messie, mais en tout cas, c'est un outil financier qui est nécessaire, puisqu'il permet de créer la liquidité et de permettre à tous ceux qui veulent accéder au Bitcoin sans se poser la question de savoir comment on fait, parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui, ou même d'un point de vue de régulation pour certains fonds de retraite. S'exposer au Bitcoin aujourd'hui, c'est pas simple. Là, ils vont pouvoir le faire, donc ça va forcément, je pense, créer des poches de liquidité, parce que, en fait, le vrai changement, pour moi, le fait qu'il y ait aujourd'hui des grands financiers, des grandes entreprises, comme des grands fonds comme BlackRock et d'autres, qui veulent pousser leur ETF. Donc, à la fin, ils veulent le vendre, cet ETF. Ils ne font pas ça juste... Et ce n'est pas pour les mettre sur une étagère. Non, exactement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'ils vont mettre tout leur pognon, tout leur pouvoir en fait, de lobbying au niveau des médias, de tout le monde, du narrative pour le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins de hit piece, tu vois, d'articles qui détruisent le Bitcoin de mauvaise foi. Parce que bon, on peut dire du mal du Bitcoin, il n'y a pas de problème. Et souvent, c'est des trucs vraiment, surtout au niveau du climat, ce genre de choses. Je pense qu'il va y avoir un changement en fait, de braquet des journalistes et des médias qui vont parler du Bitcoin en disant que c'est une opportunité, que certes, il y a des problématiques, mais que c'est une chance peut-être pour l'énergie renouvelable, que ce sera une chance aussi peut-être un jour pour les États pour protéger leur économie. Et donc tout ça va inscrire en fait un message de plus en plus en support du Bitcoin et des cryptos en général, mais du Bitcoin en particulier, qui va pousser de plus en plus les gens à considérer le Bitcoin de moins en moins comme un ponzi. Enfin, on va sortir de tous ces poncifs un petit peu éculés,
Et le temps passant, les économistes, machin, de vieille garde partent à la retraite. Enfin, il y a la nouvelle génération qui arrive et tout ça, ça pousse dans le bon sens. Et l'ETF Bitcoin en fait partie vraiment parce que ça va forcer les élites à pousser un agenda pro-Bitcoin parce que ce sera directement dans leur intérêt. Et après, en fait, que les élites poussent Bitcoin ou que les financiers poussent Bitcoin... Il y en a qui vont dire, ouais, ça dévoie, en fait, ça dénature, là, ça a été créé pour être une alternative, et là, en fait, c'est la finance qui se l'approprie. Ah oui, mais en fait, la réalité, c'est que le Bitcoin, il s'en fout. En fait, il s'en fout de ce que je pense. Honey Badger Broker. Exactement, voilà. Donc, en fait, il peut se passer n'importe quoi, Bitcoin, il continue d'exister, et c'est ça qui est bien. Et donc, moi, ça, je veux dire, je n'ai absolument rien à faire que même, tu vois, si les États se l'approprient, et peu importe. Je veux dire, pour moi, ça n'a absolument aucune importance parce que pour le Bitcoin, ça n'a pas en réalité d'importance. Il continuera de fonctionner de manière complètement décentralisée. D'ailleurs, on dit souvent que l'or est manipulé par les banques centrales. Oui. Et c'est vrai. Oui, tout à fait. Il y a déjà eu des condamnations. Aucun intérêt à ce que l'or explose. Enfin, c'est une manière de garder le contrôle. Là, que le Bitcoin, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais ce qui est marrant sur l'or, c'est qu'effectivement, il y a eu des procès sur l'argent, sur l'or. Ouais, les gars, ils ont les mains dans le moteur toutes les 5 minutes. Ça, tout le monde le sait. Mais en réalité, ça, c'est, les manipulations ne sont valables qu'à court terme, parce que quand on regarde depuis 20 ans, en 2000, l'or, c'était pas 200$. Aujourd'hui, il est à 2000. Donc, pour quelqu'un qui manipule les cours et qui maîtrise les taux et machin, ça a quand même fait x10, quoi. Donc, Oui. Mais ça, alors, c'est pas absolu, limite, quoi, le contrôle. Tout à fait. Alors, voilà. Mais la vraie problématique de l'or, pour moi, c'est... Où est l'or? Où est-il? C'est-à-dire, où se trouvent ces fameuses réserves? Est-ce qu'elles existent? Personne ne les voit, personne ne les audite. Est-ce que c'est de l'or, du tungstène? Bon là, ça c'est, je pense qu'on, je veux dire, c'est pas moi qui le saura et je pense que personne ne veut vraiment qu'on le sache. Mais il y a de véritables inconnus et le Bitcoin lui résout ce problème fondamental en fait de l'or, de la confiance dans l'or, parce qu'il n'est pas du tout impossible qu'un jour cette confiance s'effrite, parce qu'on va se rendre compte que dans les coffres de Londres, là, bah, il y en a peut-être beaucoup. Voilà, exactement. C'est vraiment, mais ce serait étonnant qu'il y en ait la bonne quantité. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, ça devient un enjeu. Et en fait, le conflit entre la Russie et l'Europe a bien mis en évidence le rôle de l'or ou plus tard peut-être de Bitcoin jour où il aura pris la place en tant que meilleur outil technologique pour remplir ce rôle. Parce que quand on a coupé Swift et coupé tout ce qu'on pouvait à la Russie, qu'est-ce qu'a fait la Russie? Elle a remis l'or au centre du jeu sur le pétrole et le rouble. Et du coup, aujourd'hui, en gros, la Russie vous dit « Bon, bah, vous voulez jouer à ça, montrez vos stocks, quoi, c'est un peu ça, parce que celui qui veut accéder à mes ressources, maintenant, il doit changer en or à la frontière, quoi. » Oui, bah, de toute façon, ça montre la limite, en fait, de la monnaie. Dès qu'il y a des problématiques un peu géopolitiques, le fait d'avoir une monnaie fiat qui est émise et backée, en fait, supportée simplement par un pays en particulier et sa capacité de faire la guerre ou je ne sais pas quoi, bah, vite, c'est limite comparé à quelque chose basé sur... soit une ressource limitée, soit un algorithme qui permet d'être certain qu'on ne puisse pas faire de faux bitcoin et qui n'appartient à aucune nation. Ouais. Et puis dont on peut consulter le solde sur un bloc explorer. Ouais, exactement. Ça, c'est un véritable outil pour l'humanité nouveau. Et je pense que c'est ça qu'ont pas compris en fait les économistes de vieille garde qui pensent que ça ne sert à rien, que c'est un truc complètement stupide. Je pense qu'ils n'ont pas eu ce déclic parce qu'ils n'ont jamais voulu s'y intéresser vraiment. Est-ce que les banques centrales publieront leur expub? Bah, la XPub, c'est la clé publique maîtresse qui permet de connaître l'ensemble des adresses publiques pour pouvoir ensuite valider le solde. Bah, je pense que si un jour le Bitcoin est utilisé comme réserve stratégique, ça a aussi un intérêt stratégique de faire des preuves de réserve. De dire, attendez, regardez, voilà tout ce que je propose. C'est un peu comme la dissuasion nucléaire, quelque part. Donc, ça ne dit pas combien tu as de dettes à côté, mais... c'est sûr, mais en tout cas, ça, peut-être de montrer son actif permettra d'être un peu... ce sera une feature, en fait, une fonctionnalité intéressante du Bitcoin. On peut imaginer qu'en Suisse, ce soit le cas, parce que par référendum, on pourrait l'exiger. Mais après, les États-Unis... Alors, c'est marrant, parce qu'on veut souvent classer démocratie et pas démocratie. Mais en vrai, moi, je trouve qu'il y a un vrai gradient entre la démocratie et la dictature. Et en fait, oui, c'est sûr. La Suisse, très certainement, parce que sinon, les gars, ils brûlent tout. Donc, voilà. les États-Unis, je ne sais pas. La France, les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord. Il y a Robert Kennedy Jr. qui vient d'annoncer que s'il était élu en 2024, il allait... à utiliser le Bitcoin pour supporter, backer en fait l'US dollar.
Et ça, c'est beau, ça. Alors, justement, la présidentielle américaine, est-ce que tu as suivi ça? Est-ce que tu as un peu un avis sur le DeSantis, Kennedy? Enfin, dans les deux camps, il y a des bitcoiners. On commence à dire, tout à fait. Donc, ce qui est certain, c'est que là, il y a, enfin, Biden et l'administration est assez anti-Bitcoin. On voit qu'ils essayent de faire quelque chose. Hein. Je ne sais pas quel est leur objectif, mais je ne vois pas pourquoi ils s'acharnent dessus. Mais parce que bon, je ne vois pas ce qu'ils ont à gagner, en fait, très concrètement. Mais oui, là, sur les nouveaux candidats, il y a vraiment des Bitcoiners. Donc, c'est pour ça que 2024, coïncidant aussi avec le halving, et il peut se passer quelque chose qui peut être un accélérant sur la volatilité. Et aussi un marché qui pourrait tirer vers le haut rapidement, quoi, si tout se met en place. On a des vraies chances d'avoir des DeSantis ou Kennedy qui soient les vrais candidats, ou alors c'est juste des gars pour les primaires qui s'agitent un peu et qu'on... Je pense qu'on a des vraies chances. Alors, je ne suis pas un analyste politique hein, de la société américaine, donc je veux dire, mon regard est quand même un peu limité, mais je pense qu'il fait quand même pas mal de bruit. En plus, il a quand même un nom, et c'est important, c'est une marque. Kennedy. Oui, non, mais c'est une marque qui touche au niveau des États-Unis qu'on ne peut pas négliger. Et puis, il est quand même assez présent sur les réseaux sociaux. Ça joue un rôle de plus en plus important, ça. On le voit bien sur les élections précédentes. Trump a utilisé les réseaux sociaux de manière extrêmement forte et habile. Kennedy fait un petit peu la même chose. Tout dépendra, en fait, des fonds qu'il arrivera à obtenir, puisque la présidentielle américaine, ça coûte une fortune. S'il a des bitcoiners derrière lui, ça devrait aller. Bah, peut-être, mais en tout cas, il faudrait. Peut-être qu'il aurait intérêt à organiser des congrès, des dons, des bitcoin parties pour se faire financer, parce que là, pour le coup, il y aura un intérêt direct pour toutes les personnes qui votent, en fait, simplement sur une chose, hein, qui s'intéressent à une seule. Donc, ça me suffit. Bah, alors bon, il n'y a pas suffisamment, je pense, de bitcoiners pour changer la donne. Par contre, il peut récupérer du pognon de leur part, pour ensuite faire une campagne qui pourra avoir un impact. Parce qu'à la fin, c'est quand même l'argent. Parce qu'en fait, pour situer devant Kennedy, il y a Biden, qui, on ne sait pas s'il se représentera, s'il tiendra jusque-là. Enfin, mais il y a Pfizer derrière lui, donc peut-être que... Ouais, peut-être. Mais là, franchement, je trouve que c'est une image quand même tellement complexe pour les États-Unis à l'étranger que je ne sais pas. Bon, ça me dépasse aussi. Est-ce qu'il se représentera? Je ne sais pas. Ouais. Et puis, DeSantis, devant lui, il a quand même Trump. Oui, bah Trump est toujours là, et il ressort un peu, là il fait il a fait quelques meetings avec un succès absolument incroyable, donc la Trump mania est loin d'être terminée aux États-Unis. Puis de toute façon, on a un clivage qui est tellement fort, en fait, de la société américaine, que je pense que ça va continuer. Il y aura des oppositions très 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 fortes. Je pense qu'on ne peut plus réconcilier les démocrates et les républicains aujourd'hui, en tout cas pas sur les réseaux sociaux. je pense qu'il y a la société américaine est complètement fracturée, ça c'est sûr. Faudra demander son avis à Mark Zuckerberg pour savoir qui va être élu. mais je pense qu'il va jouer. À mon avis, son rôle va être, enfin, je sais pas. Mon avis, là, elle est moins puissante qu'avant. Hein. Je dis ça parce qu'avec Cambridge Analytica, c'était un scandale avant où il aurait largement favorisé je ne sais plus quel candidat. Oui, tout à fait. Mais je pense que son outil Facebook a beaucoup moins de puissance, même avec Instagram. Parce que de toute façon, Instagram, ce n'est pas vraiment une plateforme politique. Là, il a lancé Threads, qui est l'équivalent d'un Twitter. Mais le but, c'est de parler d'appui et du beau temps et surtout pas de politique et de sujets qui fâchent. Donc, en fait, c'est chiant. et en tout cas, ce n'est pas là où il va y avoir des débats et des combats qui pourront faire avancer l'un ou l'autre camp. Pour quitter la politique et donc quitter ce bear market, je voulais revenir avec toi sur un aspect. C'était l'offre récente qu'avait fait Ledger, Recover. Moi je trouve plutôt cool en fait. Alors pour situer, Ledger Recover, c'est l'idée de pouvoir proposer une solution pour gérer sa fameuse feuille de sauvegarde, ces 24 mots, qui aujourd'hui représente une des problématiques les plus fortes pour pouvoir aller dans la gestion personnelle de ses avoirs, parce que les gens se disent comment je vais faire pour le gérer. Et donc l'idée, c'était de dire au moment où vous initialisez votre device, il va y avoir, en fait, vous aurez la possibilité de souscrire à Ledger Recover, donc un service payant et optionnel, qui va diviser votre clé votre phrase de sauvegarde en trois parties, et que ça va être envoyé de manière sécurisée à trois custodians qui vont les garder et qui, sur une preuve d'identité, parce qu'à un moment, pour la récupérer, il faut prouver qui on est, c'est la seule chose qui reste, si on part du principe qu'on perd tout, va pouvoir la remettre en place et donc permettre de récupérer les fonds, avec aussi l'intérêt de pouvoir gérer de la succession. Et là,
catastrophe. Quand en fait, donc le Recover avait été annoncé. C'est Charles, je crois, qui avait annoncé. Charles alors, aussi, non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, initialement, ça fait longtemps qu'on parle de Recover. On avait déjà parlé dans la presse, dans Wired, etc. Mais tout le monde s'en foutait. Enfin, il n'y avait pas de réaction. Et ce qui s'est passé, c'est que par accident, et donc il y a eu un problème, un accident, c'est qu'il y a une mise à jour qui a été poussée sur le Ledger Live pour le firmware. Ah oui, j'avais vu ça, ma clé là, qui m'avait demandé. Qui disait, bah voilà, et il y avait un moment dans la note, possibilité, maintenant vous allez pouvoir exporter votre clé privée pour le Recover. En plus, c'était formulé de façon un peu bancale. Et là, ça a généré en fait un cataclysme, mais vraiment un cataclysme avec des réactions extrêmement violentes des gens qui brûlaient leur Ledger. Enfin, ça a vraiment été absolument épouvantable. Ils ont brûlé leur Ledger. Ah oui, les gens prenaient leur en vidéo, hein, ils les filmaient, ils le jetaient dans un feu, ils roulaient dessus en bagnole. Et c'était vraiment de la folie. Et on a été extrêmement surpris, parce qu'en fait, on n'avait pas compris l'impact que cela pouvait avoir. Donc, le plus et en plus, c'est arrivé de façon accidentelle, sans communication, et donc on n'a pas pu contrôler du tout ce qui se passait. Et après, on a dû réagir, et donc et la vidéo de Charles Guidemet, le directeur technique, qui expliquait comment ça marche, etc. Et en fait, donc ça a été un gros problème où Ledger a quand même perdu des plumes, hein, parce que ça a pas été juste un truc qui a duré 3 minutes sur Twitter. Hein. C'était pas un petit shitstorm sur. Non, les non, c'était pas sociaux, un shitstorm. Non, ça a été un vrai shitstorm. Et là, il y a trois problématiques. La première, elle est technique. Donc, c'est-à-dire que les gens se sont dit, bah, en fait, si on peut... donc, le but d'un device Ledger, c'est quoi? C'est de protéger les clés privées, de faire en sorte qu'elles ne sortent pas du device de manière non autorisée. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète depuis longtemps. Et on a toujours dit, en fait, ce n'est pas possible que vos clés privées elles sortent du device. Sans votre accord. Sans votre accord. Et quand on a annoncé que c'était possible, en fait, quand on l'initialisait de le sortir, les gens se sont dit, en fait, vous nous avez menti. Et donc il y a une mauvaise compréhension technique de ça. Je pense que les gens se sont mis dans la tête qu'il y avait un truc magique au niveau du hardware qui faisait que c'était pas possible, alors qu'en fait un Ledger device, c'est un ordinateur que l'on programme avec un firmware, et en fait le firmware, son but, c'est de protéger cette clé privée et de faire en sorte qu'elle ne sorte pas, sauf dans des conditions précises pour le coup pour Ledger Recover. Mais ça, les gens se sont dit, en fait, vous nous avez menti, vous avez dit que c'était pas possible du tout. Là, on voit que c'est possible. Donc, en fait... La sécurité est compromise. La sécurité est compromise, ce qui est un raccourci, en fait... Le jour où Macron arrive et vous demande ma clé, vous pouvez forcer à vous la donner. Quoi. Voilà, alors bon, c'est... Donc, c'est... Et donc, il y a un phénomène psychologique. J'ai oublié son nom, c'est Donner, je sais plus quoi. C'est qu'en fait, moins les gens connaissent quelque chose, plus ils s'estiment experts. En fait, ils disent, ah bah non, et donc les gens expliquaient sur Twitter comment ça marchait, effectivement, en disant, bah voilà, maintenant il y a un gouvernement qui arrive, vous pouvez récupérer les clés. Donc c'est parti un peu en sucette. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème aussi violent? Enfin, pourquoi les gens réagissent de manière aussi violente? Ça, je pense que là, c'est aussi un phénomène psychologique. À la base, beaucoup de gens achètent un device Ledger pour être apaisés. Pour se dire, en fait, j'ai des cryptos, je les ai mis dans mon Ledger, c'est bon, on ne peut pas me les piquer, c'est inviolable, c'est un sanctuaire. Et je pense que l'idée même si techniquement rien ne change et que le périmètre de sécurité ne change pas, le fait de se dire, d'un point de vue psychologique, que ça peut sortir, même si c'est une simplification, les gens se disent, en fait, ça veut dire qu'à tout moment, on peut le sortir. Et donc, ça, c'est une rupture, en fait, du contrat moral qui est, mais en fait, finalement, j'ai cru que j'étais à l'abri, mais en fait, je ne le suis pas. Et les gens ont cette réaction psychologique qui est fausse, mais je comprends pourquoi ils l'ont. Et donc, c'est pour ça que les gens se sont sentis floués et ont réagi de manière aussi dure. Et donc, après, ce n'est pas évident de contrôler tout ça, d'expliquer. Et donc, la route que Ledger a prise, c'est de dire, attendez, OK, on va tout faire ça en open source. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir contrôler. Et donc, on a décalé Ledger Recover et ça sortira dans quelques mois. Mais tout ceci, ça en dit quand même long sur la communauté et sa philosophie. C'est que d'un côté, il y a quand même plein de gens, et la plupart des gens qui utilisent la crypto, un bitcoiner ou pas, qui disent qu'il faut qu'on ait de l'adoption. Il faut qu'on trouve des meilleures manières d'améliorer l'expérience utilisateur, que les gens utilisent. Et en plus, il faut qu'ils le fassent de la manière, en fait, la plus décentralisée possible, avec une souveraineté personnelle et pas d'utiliser des Coinbase ou d'autres choses complètement centralisées, parce que c'est pas dans l'éthos de la crypto. Et une des problématiques, c'est la gestion, comme je le disais, de ces 24 mots. Et donc
en même temps, on se dit, OK, il faut qu'on fasse des choses, qu'on trouve des choses. Et lorsqu'on arrive avec une innovation qui répond à cette problématique, alors certes, qui a été lancée maladroitement, mais qui part en fait d'un fond quand même assez... Enfin, on voit d'où ça vient et ce que ça peut faire. Bah, les gens, en fait, la condamnent. Parce que même des personnes qui le comprennent se disent, ouais, mais quand même, faut pas le faire. Parce que c'est pas possible, c'est pas l'esprit. Bah, pourtant, si on veut que le Bitcoin soit utilisé par des centaines de millions de personnes et que ce soit utilisé avec un maximum de personnes qui l'utilisent avec en gérant les fonds eux-mêmes et non pas de manière centralisée, bah, on doit leur donner ces outils. Parce que pour plein de personnes, c'est un problème de gérer les 24 mots. Et le problème de la succession, de genre, qu'est-ce qui se passe si je passe sous un bus? Ça, c'est un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui et qui va être de plus en plus problématique. C'est ce que m'a demandé ma femme et je lui ai dit, ah, oh, ça va, je suis encore en bonne santé. Bah ouais, mais en fait, bah, les bitcoiners vieillissent, il y aura de plus en plus de problèmes comme ça. Les notaires vont se retrouver avec des problématiques qu'ils ne sauront pas gérer. Et le Ledger e-commerce apporte une solution là-dessus, puisque il y a une forme de centralisation, certes, évidemment, mais qui est gérée avec un certain nombre de protocoles et de gouvernance qui fait que c'est pas en claquant des doigts comme ça que l'on peut récupérer. Il y a quand même beaucoup de sécurité et il y a des assurances derrière qui fait que si jamais vous réussissez à casser le KYC, parce qu'en fait à la fin c'est KYC, c'est prouver qui on est pour pouvoir à une entité puis à une deuxième entité pour récupérer les morceaux, etc. Bon, il y a une assurance. Donc je veux dire, on a quand même construit quelque chose de solide. Et ça, arriver à assurer sa clé privée. En fait, c'est vraiment marrant parce que le principe du monde bancaire, c'est de sécuriser sa clé privée, en gros. C'est-à-dire qu'on met son argent à la banque pour ne pas avoir à la sécuriser. Et là, avec la crypto, hop, on récupère l'argent chez soi parce qu'on sécurise sa propre clé. Et là, on a une dissociation, c'est-à-dire qu'on peut avoir son argent chez soi, mais sécuriser sa clé chez quelqu'un qui n'a pas son argent. Oui, parce qu'en fait, la différence... Enfin, donc, il y a une forme de centralisation, hein, quelque part, mais il n'y a aucune manière d'accéder à l'argent. C'est-à-dire qu'une banque, bah, si elle fait faillite, elle n'a plus d'argent. Si là, Ledger Recover fait faillite, ou Ledger fait faillite, il ne se passe rien. C'est juste qu'on perd la possibilité de faire le recover. Et il n'y a pas la gouvernance, en fait, de collusion pour qu'une entité qui sont dans des juridictions différentes, etc., puisse collaborer pour tout vider. Ça, en fait, ça a vraiment été pensé. Et l'assurance, en fait, elle est là... Plus pour, c'est comme t'as de l'or dans un coffre, bah t'as le droit de te le faire assurer ton coffre avec ce qu'il y a dedans. Bah là c'est pareil en fait, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive et puis réussit à casser le KYC à plusieurs niveaux et assemble la clé et la vide, bon bah là on voit que le KYC en fait, on voit qu'à un moment il y a eu un KYC que c'était pas bon, donc c'est facile de prouver que c'est recover et le process qui est en faute. Et là-dessus, nous on est tellement certains qu'on a mis en place des véritables solutions pour faire du KYC, et c'est pas juste envoyer votre carte d'identité, hein, c'est des choses beaucoup plus complexes que ça. Bon, ben là, nous, on est droit dans nos bottes par rapport à la gouvernance, et donc pour ça qu'on l'assure. Après, il y a évidemment... C'est quoi, c'est un test ADN avec un... C'est quoi la alors, grosse barre? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de KYC aujourd'hui où tu prends ton téléphone, tu bouges. Je vais pas rentrer dans les détails. Parce que c'est pas encore public. Oui, enfin, c'est pas encore public, et puis je pense qu'il y a... je ne sais pas si on peut révéler certaines techniques qui sont utilisées par nos partenaires. Enfin voilà, c'est pas à moi à voir si Ledger et les partenaires voudront expliquer ou pas comment ça marche. Bah, le KYC, on va le faire quand on s'inscrit à Recover. Oui, mais alors c'est le KYC quand tu veux faire l'inverse. Ah, et ça, on ne saura pas ce qu'on va nous demander avant de faire le. Non, mais en fait, il peut y avoir. Comme ça peut très bien passer avec un face à face avec un notaire. Et là, c'est quand même plus difficile. Là, c'est niveau mission impossible. C'est-à-dire qu'il y a un masque. L'IA, ça servira. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura du physique. En fait, c'est pas une fonction des montants sur la clé, j'imagine. Voilà. Même pas forcément. Je pense que c'est. C'est un KYC qui va coûter cher et qui sera pris en compte évidemment par Recover. C'est pour ça que le Recover a un coût. On se dit, ah, mais pourquoi il faut payer? Bah oui, non, mais parce que tout ça, c'est un coût forcément. Oui, c'est 10 euros par mois, mais bon. On peut se dire, bah attends, pourquoi faut payer? C'est quoi le service? Il est là, c'est ça le service en fait. Et moi en fait, ça m'intéressait parce qu'on commence à avoir des petits sous qui s'accumulent et on commence à faire des choses à plusieurs. Et en fait, alors il y a le choix du multisig, mais le multisig déjà, ça marche pas forcément partout et pour tout, en fonction de ce qu'on veut faire. Des fois, c'est voilà. Et puis il y a des chaînes où il n'y a pas de multisig parce que c'est pas encore implémenté. Enfin bref. Et du coup là, c'est vraiment l'idée. Et en plus, quand on a une assurance sur le recover de la clé, eh ben en fait, ça veut dire que le process est vraiment solide parce qu'en réalité, un assureur
n'assure pas quand ça coûte trop cher. Parce que si on vous dit vos bitcoins, je vous prends 10% par an pour l'assurer, parce que le risque est grand, bah, personne ne prend l'assurance. Non, bien sûr. 10%, voilà. Donc en fait, si un assureur qui n'est pas Ledger, hein, lui s'en fout, il assure des kilos de blé en Ukraine, plus maintenant, il assure des kilos de blé en Chine, il assure, je ne sais pas quoi, des avions au Paraguay, enfin, on lui dit tu veux assurer ça, lui tout ce qu'il regarde, c'est ses tables d'actuaires. Ouais, exactement, c'est des maths. S'il gagne de l'argent ou pas. Donc un assureur qui accepte et qui a fait le boulot correctement, ça veut dire que le risque est vraiment petit. Et mieux que ça, ça veut dire qu'en fait, avec ça, on arrive à recréer le système bancaire sans les banques. Parce qu'en fait, on est capable de garder son argent, mais de bénéficier du système assurantiel de la banque. Parce qu'au final, au bout du bout du bout, la banque, c'est quoi? C'est que si jamais elle se fait casser en deux, eh ben, l'argent revient au déposant parce qu'il y a un système d'assurance. Ouais. Donc là, on a l'assurance bancaire quelque part sans avoir un intermédiaire qui a la main sur l'argent. Et ça, en fait, c'est juste fucked up parce que ça veut dire que les banques pourraient se faire concurrence par des entreprises de la tech. C'est-à-dire que, tu vois, si tu prends... Je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis là-dessus, mais mon grand machin en ce moment, c'est de dire tous les protocoles décentralisés, alors plus ou moins décentralisés, ce que vous voulez, ok, mais voilà, les compounds, les curves, les AV, les je sais pas quoi, les bitcoins, etc., tout ça, ça peut constituer un socle suffisant pour faire de la tous les services bancaires d'épargne, de finance, de prêt, de tout ce qu'on veut. Et en réalité, comme c'est décentralisé, ces gens-là n'ont pas besoin de licence bancaire. Parce que c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est ce qui se construit. Donc, ce qui manque, c'est un fournisseur de services qui va organiser une interface à la Binance, à la Société Générale, à la ce que vous voulez, à la Apple, quelque chose qui est vraiment très beau, très propre. Et donc, pour organiser tout ça, pour que ce soit en deux clics, quoi. Et après, il manque un autre tiers, c'est l'assurance des fonds qui se promènent via ces interfaces, mais qui sont quand même chez les gens. Oui. Et là, du coup, ça veut dire que le monde de la finance passe dans le monde de la tech et que la Société Géniale ou le créancier lyonnais n'a plus pour concurrent des financiers ou des bancaires, mais des gars comme toi ou des gars comme Apple ou des gars comme je sais pas oui, qui bah, va de émerger, la tech et une infrastructure. Donc la banque disparaît. Oui, parce que c'est une infrastructure technique ensuite complètement différente. Et bah, c'est sûr que pour arriver à une adoption complète de ce qu'on appelle le Web 3, ça passera pas sans une certaine couche de centralisation et qui peut être par exemple cette assurance dont tu parles, qui à un moment doit arriver, exister dans la vie réelle avec des gens qui ont pignon sur rue. Et donc pourquoi? Parce que on peut pas dire aux gens, ça peut pas fonctionner pour tout le monde d'être sa propre banque avec d'être sa souveraineté personnelle totale. Bah, ma mère, elle a 80 ans, et sa clé c'est moi qui l'ai. Voilà, donc et c'est très contre-productif en fait de dire aux gens, mais non, en fait, ça ne marche que en souveraineté personnelle totale. Alors, bah c'est simple, il suffit d'aller, t'as même pas besoin d'un ledger. Moi, j'achète mon PC machin, je le airgap et je mets Linux, je le mets à la cam. Mais ça, ok, super, mais je veux dire, c'est ça n'a absolument aucun sens pour la plupart des gens qui. Bah, ma mère 80 non, ans, même pas en rêve. Quoi. Voilà. Oui, non, mais puis même, tu prends même des gens tech, ils sauront pas le faire. Parce que tout le monde ne sait. Parce que, en fait, plus tu rajoutes de la complexité, en fait, tu as plus de chances que ça te pète à la figure qu'autre chose. Parce que tu as des protocoles, et un protocole qui s'appelle Glacier, qui permet de gérer les sauvegardes, tout ça, la gouvernance multi. Et c'est un truc, le protocole, il fait 60 pages. Enfin, je veux dire, tu peux faire une erreur et c'est fini. Donc, je veux dire, c'est un vrai coût d'expérience utilisateur. Et donc, tu dois remettre à un moment de la centralisation. Mais ce qui est idéal, c'est de mettre cette centralisation non pas comme un Binance, mais comme peut le faire un Recover via une forme d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu as vraiment le meilleur des deux mondes. Et c'est pour moi ça, la clé de l'adoption dans le futur. Et c'est pour ça que le produit Ledger Recover, c'est un bon produit qui a eu un énorme backlash pour toutes les raisons qu'on vient de donner. Mais c'est pour ça aussi que Ledger n'y renonce pas. Parce que les gens disent, mais pourquoi bah, mettez-le à la poubelle, on n'en veut pas. Bah non. En fait, si un jour on veut vraiment avoir de l'adoption, et on ne parle pas de vendre 3 millions de clés en plus, mais 100 millions, voilà, il faut avoir des produits comme ça. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, on a beaucoup reçu Nicolas Bacca et Charles Guimet ici parce qu'on aime beaucoup ces deux personnes, parce que c'est des techs. Quand on discute avec eux, après, on fait des cauchemars. Quoi.
en termes de sécurité, à un moment, Charles, il m'a dit, tu vois, ton téléphone, si tu me donnes ton numéro, je peux le hacker. C'est... Et voilà, ils savent casser des choses, quoi. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tout est pétable. Voilà. Oui, et globalement, il m'a dit, bah, tu me files un cold wallet là, que tu as fabriqué avec des pièces achetées sur le bon coin parce que personne ne les a vues, machin, machin. Tu l'oublies sur une table au restaurant, bah, 15 là, minutes plus tard, le secret, il est dehors. Ouais. Ah, d'accord. Et puis après, il me dit, telle marque. Bon, ça, c'est 2 heures. Laisse-moi 2 heures. Et puis, il me dit, bah, pour Ledger... Là, on a fait le truc, c'est 15 jours dans un labo de sécurité en Chine, mais je te le pète. Mais c'est 15 jours dans un labo avec des... Ah, puis ça coûte une fortune, et t'as quand même une chance de... De bousiller le device. Ouais, parce qu'en fait, c'est des trucs laser, enfin, c'est vraiment de la très haute technologie, donc ça coûte très cher. Et en plus, tu peux le péter. C'est-à-dire, si t'en avais 10, ouais, là, t'as peut-être 10 ou 20, t'as peut-être 100% de chance d'y arriver, parce qu'au moins, tu peux en péter quelques-uns. Et du reste, c'est comme ça qu'ils pètent, en fait, les cartes à puce des recharges d'imprimantes. Hein. C'est parce qu'ils en ont plein, ils les pètent, et ensuite, ils font des faux. Donc, il n'y a rien qui est incassable. Même la carte à puce, hein, l'élément sécurisé, c'est qu'une question de moyens et de temps. Bah, y a une seule chose, enfin, la chose la plus value en termes de sécurité, en réalité, c'est les autres. On dit toujours, soyez votre propre souverain, gna 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 gna. Moi, oui, la chose dans laquelle j'ai plus confiance, j'ai déménagé en Suisse parce que c'est une démocratie directe. Et en fait, je veux dire, en bout du compte, on vit pour vivre avec les autres, on est des êtres sociaux, on n'habite pas sur des îles tout seul. Bah, y a eu un film là-dessus, au bout du monde, le mec il est devenu copain avec un ballon, il était prêt à se noyer tous les jours. Enfin, sur le monde, ouais. Ça ne marche pas. Voilà, ça... Wilson n'est pas votre ami, c'est un mensonge. Non, mais c'est sûr. Et du reste, dans les communautés des survivalistes... En fait, c'est que si t'es en communauté que ça marche. Si t'es tout seul dans ton bunker, tu crèves. Donc en fait, la vraie question, c'est la décentralisation par rapport aux autres et un savant degré de mélange de pouvoir entre ce que j'ai moi et ce que les autres me garantissent dans le collectif. Et je pense que quand on comprend ça, ben, du coup, on comprend beaucoup mieux la nécessité. Moi, quand j'ai vu Recover, je me suis dit « Ah, c'est cool, ça coûte combien ?» Parce que ça résout voilà, c'est un trade-off, quoi. Oui, et puis c'est complètement dans l'éthos de Bitcoin. Bitcoin fonctionne pourquoi ? Parce que c'est complètement décentralisé, certes, mais tout le monde lui fait confiance. Et c'est cette communauté, cette association de gens qui ont décidé de faire confiance à Bitcoin qui lui donne sa valeur. Donc, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est une trust chain. Mais parce que voilà, il y a vraiment donc du coup ça sort quand? Alors dans quelques mois, en fait on a déjà publié un white paper sur expliquer les protocoles, etc. Et tout le monde s'en fout, enfin, tout le monde s'en fout en fait. Mais voilà, on continue à publier, à montrer. Quand on sera prêt, quand on sera vraiment open source et que les gens pourront valider, vérifier, bon, on sortira Ledger Recover parce que on s'est aperçu quand même que ça a généré un traumatisme. Que bon, on ne peut pas non plus faire, voilà, forcer le truc. Il faut quand même écouter la communauté, faire les choses dans le bon ordre. Mais ça sortira parce que c'est un des éléments fondamentaux pour construire un monde décentralisé en réalité. Et en plus, je tiens à préciser parce que les gens, quand on en parle sur Rentre en Crypto, ils disent « Ouais, vous êtes sponsorisé, ils vous payent pour ça. » Et bien en fait, non, il n'y a que le logo de Paymium parce qu'à la base, avec Guillaume, quand on a fait la chaîne, on a réfléchi, on dit « Bah, de toute façon, nous, de base, les sponsors, on n'en veut pas, c'est pas notre modèle. » Sauf deux, c'est Paymium et Ledger. Donc Paymium, on a fait un deal et c'est, voilà, il y a le petit logo. Et Ledger, on a pris contact, mais on n'est jamais tombé d'accord sur le deal parce que nous, on veut un truc long terme ou c'est en baseline. Et en fait, le message, c'était du Bitcoin bien sécurisé. C'est ça qu'on voulait mettre avec les logos. Ouais. Et en fait, donc non, on n'est pas payé. Parce que, en fait, moi, je suis même pas au courant que Ledger vous payait, tu vois. Bah non, oui, mais voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est pour ça que t'es pas au courant. Et en fait, l'idée, c'est que nous, notre baseline, c'était ça, quoi. C'est de dire, quitte à acheter des bitcoins, bah, le faire sur un sexe qui est vraiment... en qui on peut avoir confiance, ouais, parce qu'on connaît les gars. Et, voilà, parce qu'on connaît le gars, et Pierre Rioza, c'est un ayatollah de la sécurité, et lui, avant de le braquer, il faut aussi prendre tôt le matin. Et Ledger, parce que c'est la sécurité chez les gens. Et puis, ils disaient, mais nous, on fonctionne plus à l'opération, colon, machin, tout ça, enfin, des trucs de marketing. Et on a dit, bon, ok, pas de problème, ce qui nous a pas empêché de toujours dire du bien de Ledger, parce qu'on est toujours sur notre ligne... sur notre même ligne. Donc non, on touche pas un copec de Ledger, au contraire j'en refilais plein parce que des Ledger j'en ai plein. C'est fait ça centre de coup pour toi. Ouais. Ouais, bah non, c'est pas centre de coup parce non, mais que ouais, ça ouais. Voilà, mais bah, voilà, pour que les choses soient claires, hein, jamais touché ouais, un copec de Ledger. Non, Ledger sponsorise pas. Au contraire, on leur offre des gourdes. Ouais. Ouais, c'est sûr. Donc voilà pour la petite histoire. Et
Pour passer à autre chose, du coup, maintenant, tu as une nouvelle vie Oui. dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas comment définir ça. Oui, bah, l'entrepreneuriat, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus vu comme un entrepreneur que comme un gars qui vient de la crypto, notamment avec bah, mon activité média sur M6, avec Qui veut être mon associé, où là, j'étais, entre guillemets, révélé au grand public, mais plus comme un entrepreneur. Ouais. Qui vient de Qui vient l'industrie, de parce l'industrie que crypto, donc fabriquer, et voilà, puis de avec Ledger. l'industrie des machines, parce qu'en fait, Ledger, Du c'est avant tout hardware, une quoi, c'est activité. ça, Ouais, c'est tout à ça. fait. Donc, vu comme C'est un quelqu'un peu qui comme vient plus fabriquer le du hardware. PC, quoi. Voilà, vu qui vient du hardware, exactement. Avec de l'huile sur les mains et tout, un Ouais, peu c'est ça. C'est là, je suis de. l'ingénieur dans la brochette d'investisseurs. Je suis le seul ingénieur du reste. Ouais. Du coup, parle-nous un peu de ces activités parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un vrai sujet et globalement, dans les perspectives, on va pas dire d'effondrement économique, mais de complications économiques qui s'annoncent, notre point de vue, c'est que globalement, le fonctionnaire, le retraité et celui qui dépend des aides sociales va prendre très cher parce qu'il dépend de l'État qui, lui, est en difficulté. Et il restera quoi? Il restera l'entrepreneur. Le rentier du privé, donc celui qui a placé son argent dans des trucs privés, et les salariés du privé, puisqu'ils sont directement corrélés à l'activité bah, de l'entrepreneur et de l'investisseur du privé, quoi. Oui, et puis les fonctionnaires de toutes les fonctions régaliennes de l'État, comme la police par exemple, ou d'autres. Ouais, Enfin, à si. voir, ils souffrent déjà beaucoup. Oui, mais bon, le jour où il n'y a pas. Enfin, c'est clair, on a changé de modèle de société, je pense. Et là, je pense qu'on est dans l'effondrement. Mais ils ont déjà des bagnoles pourries, Oui, on c'est leur sûr, paye mais en pas tout leurs heures cas, sup. je pense qu'ils sont. Il en restera. Enfin, seront les derniers à sauter, quoi. Mais c'est marrant parce que ma serveuse à la boulangerie, elle est mieux traitée dans son contrat qu'un policier. Hein. Oui, Ses non, heures mais. sup sont payées, elle sait qu'elle aura du boulot parce qu'elle nourrit les autres et du coup. Donc même. Enfin, moi je. Oui, Ouais. non, mais je comprends ce que tu veux dire. Pas envie d'être policier, quoi. Je voulais juste dire que ça, voilà, Ouais. ça et la santé, enfin, c'est pas les trucs qui allaient disparaître du jour au lendemain, enfin, sauf en cas d'effondrement. Mais je dis pas qu'ils sont bien payés et que c'est ce qu'il faut faire et que c'est la belle vie. Hein, Et on parle pas des soignants, non, tout à fait. voilà. Voilà, c'était pas le Mais sens de mon ce seront message. les derniers à tomber. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Alors du coup, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? Comment tu vois ça? Et pourquoi c'est. Alors moi, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans et ça m'a toujours intéressé de promouvoir l'entrepreneuriat et d'en parler et de donner envie aux gens d'entreprendre. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint Qui veut être mon associé. Donc ça a commencé en 2019 et c'est quelque chose qui me passionne. Et aujourd'hui, avec mes activités un peu réseaux sociaux, YouTube et autres, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, LinkedIn. Et j'essaye d'expliquer un peu bah, comment ça marche, comment commencer, comment faire, les difficultés, comment lever des fonds. Enfin, j'essaye vraiment de donner un petit peu, enfin un maximum d'informations pour aider les autres. Je fais aussi de l'investissement, donc je le fais via l'émission, je le fais aussi en direct, je le fais aussi via Blast, qui est un fonds d'investissement qui a été Et ça, c'est vrai, ça, fondé. en 10 minutes, là, t'achètes des parts dans une boîte comme ça, parce qu'on voit ça à la Alors télé. oui, Allez, alors montre-moi ton truc. Hop, c'est bon, c'est 100 000. ouais, c'est un peu ça. Alors c'est donc oui, pour parler de qui veut être mon associé, tout est réel. Il n'y a pas de, on connaît pas les deals à l'avance, hein, on voit pas, on n'a pas de dossier avant qu'on regarde, on découvre vraiment les entrepreneurs quand ils arrivent en plateau. Et l'enregistrement, ça va durer de 1 heure à 2 heures maximum. Donc c'est pas 10 minutes, mais c'est quand même plus proche de 10 minutes que de plusieurs semaines. Et on doit effectivement prendre une décision, alors un peu en temps réel, qui est quand même beaucoup basée sur les signaux faibles qu'on voit des entrepreneurs, sur la capacité de convaincre, de maîtrise des chiffres. Bon, bien sûr, le produit peut aussi jouer un rôle, mais il y a quand même énormément qui est basé sur le ressenti des personnes qu'on a en face de nous. Alors une fois qu'on a trouvé un accord, il y a évidemment des due diligence, hein, c'est-à-dire qu'il y a un contrat moral de faire le deal. Le deal, des fois, ne se fait pas. Des fois, c'est parce que l'entrepreneur sort et dit, ah ben non, finalement, je préfère pas le faire parce que bah, la diffusion de l'émission, c'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros de pub, hein, quand même. De passer en prime time, c'est un impact. En une journée, en général, ils font un mois de chiffre d'affaires. Ah oui. Donc c'est pas neutre. Et puis des fois on fait pas le deal nous-mêmes parce qu'on s'aperçoit que bah, ils nous ont raconté un peu des cracks. Qu'on se dit bah attends non c'est pas exactement comme tu avais dit. Dans ce cas on sort du deal. Mais dans 80-90% des cas on fait les deals. Moi je fais la plupart de ceux que j'ai fait en plateau. Mais après c'est le début d'une longue aventure puisqu'on rentre vraiment en tant qu'investisseur dans l'entreprise. On va les suivre. Donc là j'en ai une vingtaine hein, d'investissements déjà sur l'émission. Et c'est pas un boulot de malade parce qu'ils n'ont pas besoin de tout le monde en même temps, donc et on se voit pas tous les jours. Je suis pas opérationnel, mais ça c'est vraiment sur plusieurs années parce que de toute façon, avant qu'il y ait une exit ou une fin,
la fin de l'aventure, hein, ça peut durer 5 ans, 10 ans, donc c'est long. Hein, Et du coup, tu peux pas faire 10 saisons, parce qu'une fois que tu as 200 investissements à suivre, ouais, tu si, ça, ça se gère. Alors après, on peut toujours. Aujourd'hui, je fais tout seul, mais après, on peut prendre des personnes qui peuvent aider sur la gestion des différentes lignes. Mais non, ça va, hein, je suis assez efficace et on n'a pas besoin de passer non plus trop de temps. Et de toute façon, c'est eux qui bossent, hein, c'est pas moi. Et moi, mon rôle, c'est plutôt de les aider à réfléchir et de leur aider à prendre les bonnes décisions, de prendre la bonne direction. Et du reste, ça, c'est un travail que je fais avec les entrepreneurs chez qui j'investis, mais aussi que je fais en tant que coach conseil entrepreneurial. C'est-à-dire que moi, en plus, ça me plaît, ça m'amuse d'aller voir enfin, c'est plutôt des boîtes ou des entrepreneurs, pas forcément des grosses boîtes, hein, plutôt des petites boîtes qui viennent Alors, me petite, voir. Petite, c'est combien, histoire de donner un ordre de grandeur? Ah, ça peut être une personne. Solopreneur, ça peut être des petites équipes de 3-4 personnes jusqu'à une dizaine, une vingtaine. Et si on veut booker Éric Larchevêque, ça coûte combien et ça se fait où? Alors, bah, en fait, j'ai mis en place, et bon, j'en ai jamais parlé parce que je voulais pas en faire la pub, j'ai mis dans un coin. Ah, mais là, c'est bon, personne ne regarde. Ouais, personne ne regarde. En fait, tu as la possibilité de pouvoir me booker, me parler 45 minutes et ça coûte 600 euros. Et j'en ai déjà eu une trentaine de gens qui découvrent un peu par hasard. Et c'est, en fait, c'est vachement intéressant parce que en fait, quand on fait ça, on se dit, est-ce que vraiment je vais pouvoir apporter de la valeur? Parce que 100 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. C'est pas 20 balles, quoi. Bah, surtout quand on débute. Comment? Surtout quand on débute une boîte. Oui, exactement. Boîte, tout à fait. Ouais. Bah, voilà, c'est pas des grands groupes. Donc, c'est 600 euros, c'est un montant important. Et bah, au final, je pense que j'apporte cette valeur. Enfin, sinon, j'aurais arrêté parce que je suis pas le genre à essayer de faire des trucs comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que certes, c'est court. Mais quand on est payé par la personne, en fait, on n'a aucune hésitation à dire des vérités. Et donc, on peut dire, attends, non, je te conseille, tu arrêtes. Non, tu ne fais pas comme ça. Non, tu vas te planter. C'est nul. Et donc, on peut être assez violent parce qu'on n'a pas le temps de prendre des gants et donc de faire des recommandations, des conseils. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment du coaching. Hein, donc, c'est en plus du conseil. Mais en fait, je pense que ça marche parce que souvent, les gens qui viennent me voir, ils sont un peu à la croisée des chemins sur... Est-ce que là, il faut que je lève des fonds ou pas? Est-ce que là, je change de produit ou pas? Est-ce que je fais ça A, B ou C? Enfin, ils ont vraiment des questions. Et là, au final, je pense que ce n'est pas combien ça coûte, mais combien ça rapporte, en fait, de voir une personne. Certes, c'est un petit investissement, mais je pense qu'il peut faire gagner beaucoup de temps. Et en tout cas, moi, je trouve ça génial de faire ça. Ça me plaît beaucoup. Et donc, voilà, je vais continuer à le faire. Et puis, je fais aussi du conseil en plus long terme avec des gens qui veulent me voir plus régulièrement sur un accompagnement. Voilà. Mais, et c'est quoi le site, du coup, où on peut te booker? C'est ericlarchevêque.com et j'ai un formulaire de contact que j'ai fait avec Typeform. Et puis, on peut choisir. Et puis après, c'est un calendrier, tu vois. C'est un calendrier avec Stripe. Donc, ça m'a pris 2 minutes à faire. et puis, à partir de la rentrée, moi, ça fait 2 ans, un peu plus, que je travaille sur mon domaine. Je fais des travaux. C'est un domaine qui est en Sologne. Et là, je ferai un peu des séminaires pour faire venir des gens à la maison et passer une journée, 2 journées, faire des masterclass, à vraiment travailler dans un environnement plutôt sympa. Donc ça aussi, ça, c'est quelque chose que je vais lancer en septembre. Parce qu'en fait, je m'aperçois que j'aime bien, en fait, passer du temps avec les autres, un peu à les aider, à réfléchir sur des problématiques. C'est jamais la même chose. Enfin, voilà, ça me stimule beaucoup. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et justement, avec Anthony Bourbon, ouais. Vous avez un truc ensemble. Alors, Anthony, il a lancé Blast, qui est un fonds d'investissement qui est ouvert à tous. Hein. C'est un fonds d'investissement participatif, un club deal. Et j'ai rejoint Blast il y a quelques mois pour apporter des deals hardware et Web3. Si aujourd'hui vous avez des projets Web3 que vous souhaitez financer, n'hésitez pas à envoyer votre deck à Blast, hein, c'est facile, hein, vous allez sur blast.co ou je ne sais plus quoi, vous pouvez envoyer le deck. Ça, on regarde des deals et on fait aussi des deals hardware. Donc pareil, si vous êtes dans le hardware, alors le deal idéal hardware, hein, c'est du SaaS B2B, c'est ça les deals les plus intéressants. Et donc là, on en a fait vraiment un gros, on a levé plus de 5 millions, donc c'est beaucoup, hein, sur du club deal. Et là, on n'a pas encore communiqué dessus, mais en gros, c'est du GPS 2.0 avec de l'ASIC, des puces qu'on va faire, qu'on va designer, des lancements de constellations satellites. Voilà, c'est un très, 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 très beau projet. Donc il y a des trucs très sympas. 5 millions quoi. Sur un projet. Ouais, 5 millions sur un projet. Oui, il y a plus de 100 millions à déployer. D'accord. Donc, c'est quand même un fonds important. Et là, c'est aussi une poche d'investissement pour moi qui est plutôt sympa parce que ça me permet d'aller sur des deals beaucoup plus gros. Parce qu'en général, en tant que business angel,
on va mettre 50 000, maximum 200 000. Quoi. C'est pas, et encore 200 000, c'est des tickets, enfin, c'est gros tickets pour moi. Alors qu'avec Blast, on peut vraiment mettre plusieurs millions et on a la capacité de bouger très rapidement. Quoi. Et du coup, il y a ce... qu'est-ce que tu en penses justement de ce circuit du venture capital où, parce que nous, on a beaucoup interviewé de gens ici, à la fois entrepreneurs, à la fois VC. Et puis on se posait un peu la question pour nous avec Guillaume là, sur CleanSat Mining, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et en vrai, mon sentiment en tout cas, c'est que j'ai l'impression que le VC quand même ça coûte cher. C'est-à-dire qu'au début... Tu veux dire en equity? Ouais, ouais. Ah pour, oui, bien sûr. Pour se lever. Et, en fait, j'ai un peu l'impression, comme ça, avec le recul et tout mélangé, hein, que le business du VC, c'est un peu un précaré, une chasse gardée, parce qu'il y a très peu d'acteurs qui sont positionnés dessus, en réalité. Alors, si on parle des VC dans le Web3 en France, ils sont deux, enfin, j'exagère, mais il n'y a vraiment plus grand monde. Et qu'au final, du coup... en gros, les gars, ils se payent pas mal, quoi. Et l'entrepreneur, derrière, à la fin, s'il a tout bien réussi, il a bien payé ses VC. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ce milieu? Est-ce que Blast, c'est pas un peu un coin dans ce secteur-là pour dire, attendez, les gars, là... Bah si, c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière. Et du reste, il y a beaucoup de VC traditionnels qui détestent Blast et qui souhaitent que le truc crève, en fait, parce que c'est... plus Anthony, il a une approche assez... rentre dedans, il y va pas avec le dos de la cuillère. Ah, vous massacrez les gars. et c'est vrai qu'en fait, Blast fait des propositions hyper intéressantes pour les founders. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de leur tordre le bras, on peut lever beaucoup d'argent. L'idée, c'est de faire à la fois le seed et série A en même temps. Donc c'est pour ça que plusieurs millions, mettre 3 millions sur un deal par exemple, c'est complètement possible. Est-ce que tu peux expliquer un peu le principe de ces trucs seed? Ouais, bien sûr, machin, en fait bon, quand on lance son projet, en général on va faire un seed, c'est-à-dire une graine, hein. On va lever 500 000, 1 million pour commencer, et là ça se fait plus sur des premiers protos, des premières preuves, mais bon, on sait pas trop, il y a encore beaucoup de risques. Une fois qu'on a démontré que le projet peut fonctionner sur un périmètre donné, on va faire ce qu'on appelle la série A, qui est l'accélération. Et qui, lui, c'est, donc ça va être des fonds 2, 3, 4, 5 millions en fonction, qui vont permettre d'aller sur tout le marché français, à l'international, de vraiment grandir, consolider l'entreprise. Et après, il y a des tours plus de capital développement, type série B, série C, où là, on va lever 50 millions, 300 millions. Là, c'est vraiment quand la boîte fonctionne, quasiment est rentable, ou en tout cas, elle a vraiment la capacité de grandir pour aller ensuite vers une entrée en bourse, une exit, etc. La série C, c'est la fin, quoi. Ouais, série C, D, E, hein, ça, mais souvent D ou E, c'est avant l'entrée en bourse, et puis après, soit c'est racheté, soit c'est effectivement rentré en bourse. Bon, c'est rare, hein, mais c'est rare les boîtes qui vont jusque-là quand même, il y en a quand même peu. Mais toujours est-il que on disait ça coûte cher, hein, faut expliquer que quand tu prends de l'argent d'un investisseur, en échange, tu donnes des parts de l'entreprise, donc t'as un camembert, au début, t'as 100% avec tes cofondateurs, et puis, bah, en général, tu fais un seed et tu donnes 20 ou 30% ou 15%, enfin ça dépend. Mais souvent, de toute façon, tu vois, on va dire c'est 20%, allez, en moyenne. Et après, tu fais un tour de série A, bah, tu redonnes 20%. Donc, ce qui fait qu'à la fin, tu as, il te reste, allez, on va dire 60, hein, même si c'est pas tout à fait exact, donc tu as perdu 40% ou 35%. Alors que si tu fais seed et série A en même temps, tu lèves plus d'argent plus vite. Bon bah, tu vas être à 25-30 et donc tu vas être à 70 au lieu de 60 à la fin, tu vois. Et tu vas plus vite parce que aussi la problématique de la levée de fonds, c'est que ça prend beaucoup de temps. C'est mis 6 mois pour lever des fonds. Et quand tu lèves des fonds, tu dois aller voir 50 VC que tu fais ton tour, machin, bah, t'es pas à l'opérationnel et donc tu te ralentis dans ta croissance. Et donc c'est pour ça que tu gagnes du temps. Mais il y a aussi une troisième voie qu'il ne faut pas négliger, qui est de ne pas lever de fonds. Hein, en fait, aujourd'hui, on parle que des levées de fonds. On a l'impression qu'on réussit dans l'entrepreneuriat que si on a levé des fonds et c'est un peu l'indicateur de réussite. Alors qu'en fait, c'est du gros bullshit. C'est-à-dire qu'en matière de création réelle de valeur, il y a énormément d'entreprises dont on n'a jamais entendu parler, qui n'ont jamais levé des fonds, qui ne sont pas genre la French Tech avec tout le bazar qui va avec et tout le circus, et qui pour autant sont des boîtes rentables, qui font de l'EBITDA, c'est-à-dire qui génèrent en fait des bénéfices, qui se construisent peut-être plus doucement, mais sûrement, et qui font vraiment la vraie valeur de la richesse entrepreneuriale française. Et ces boîtes-là, c'est un peu les oubliés, on appellerait ça les PME, qui pourtant à un moment ont commencé, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et se sont construites sans lever de fonds. Et donc c'est tout à fait possible de prendre cette voie, et c'est une voie qui est vraiment sage, et qui fonctionne. Et il ne faut pas l'oublier.
Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien répéter, il n'y a pas que la levée de fonds. On est capable aussi de faire, alors évidemment, ça dépend ce qu'on fait, on a toujours besoin d'un petit capital au début, donc il peut y avoir les friends and family, le love money, peut-être un tout petit peu quelques BA au début, donc je ne dis pas qu'on business angel au début, mais voilà, on n'est pas après obligé de rentrer dans le seed, le serial, série B, les fonds, les machins, les trucs parisiens, pas du tout quoi. Et en fait, pour bien comprendre cette structure, parce que sur CleanSat Mining, on s'est posé ces questions. Et en fait, ouais, on avait besoin de quoi, genre 200 000 euros, je sais pas quoi. Et puis comme on a divisé beaucoup l'actionnariat entre les fondateurs, parce qu'il y a Realty, il y a Grand Tank Crypto, il y a Sébastien Gouspillou. Ouais, il y a du monde. Donc comme Ledger au début, hein. Ouais. On était 8. Il y a du monde parce qu'on s'est dit, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. On a passé des coups de fil. Après, ça t'intéresse? Oui, ok, voilà. Et en réalité, bah les 200 000, on les a mis nous-mêmes parce que voilà, on pouvait. Ouais, bah c'est des sommes que tu peux, ouais, tu peux les avoir, ça vaut le coup en fait, plutôt que de te diluer. Ouais. Et en fait, après, on se dit, mais on génère notre chiffre d'affaires, on génère notre résultat, et en vrai ça prend un peu plus de temps, mais moi ce qui m'a marqué, c'est qu'en discutant avec des VC, j'ai appris un truc, c'est qu'un VC te prend, je sais pas, 20%, et en fait dans le contrat il peut y avoir des clauses comme quoi sa part de gain elle est réévaluée de 10 ou 15% tous les ans en plus de ce à quoi il a droit, c'est à dire qu'il met 100 000. Et puis tous les ans, ce 100 000 va être réévalué à 115, à 130, à 145, nanana. Et après, on calcule les pourcentages. On prend ça sur la valo et après, on redistribue le reste au pourcentage. Ouais, alors, ça, c'est du vol. C'est de l'arnaque. En fait, j'ai trouvé ça. Non, mais tout le monde ne fait pas ça, hein, attention. C'est-à-dire, c'est mais pas. Ça existe. Enfin, c'est... J'ai bien compris sûr que ça existe. Truc, il y a des notions de ratchet. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qui sont extrêmement favorables aux VC. Mais je pense que ça, c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, la plupart des, ce qu'on appelle des term sheets, en fait, des propositions d'investissement sont transparentes, claires. Enfin, il n'y a pas d'arnaque dedans. Et en tout cas, il faut le vérifier. Mais oui, il faut se méfier. Parce que ça, c'est du vol. On est d'accord, hein. Oui. Non, mais ça m'avait choqué. Donc, après, ça peut peut-être s'expliquer dans des cas très particuliers de risque extrême. Enfin, bon, voilà, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, qu'il ne faut pas que ça existe. Ça doit être réservé à des cas bien particuliers. Mais sinon, non, il n'y a aucune raison. En fait, il faut qu'un deal soit un deal. La seule chose qu'on peut accepter, c'est que en cas de cession, de fire sale, c'est-à-dire la boîte va au tapis, on vend. Bon, bah, ceux qui se servent en premier, ce sont qui ont mis de l'argent. Voilà. Mais ils remboursent que leur part, ils vont pas plus loin. Parce qu'après, il y en a aussi. D'abord, ils se payent deux fois, trois fois. Enfin, c'est ça les rachettes. Mais ça, c'est inacceptable. Je veux dire, je pense que ce sont des pratiques d'un autre âge. Enfin, pas si vieux que ça. Et qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a six mois, quoi. Je pense qu'il y a quelques années. Il y a quelques années. Et à l'inverse, on a aussi rencontré d'autres entrepreneurs qui nous ont dit, bah, en même temps, c'est vraiment un truc super parce que, alors c'était un gros VC bien connu, etc. Et il disait, le gars, il est toujours avec moi et c'était un jeune entrepreneur. Et du coup, je l'ai toutes les semaines au téléphone, il me cadre, il m'aide, il me dirige et moi, je suis un tech, machin. Donc, et en fait, il dit que ça le structure énormément et que ça l'aide énormément d'avoir quelqu'un qui l'aide dans ses... Je ne sais pas qui parle, oui, mais... Enfin, moi, j'ai jamais vu un entrepreneur heureux de son VC. Non, c'est pas ça, mais en tout cas, j'ai jamais vu un VC en fait qui fait ça. C'est-à-dire que certes, il y a les boards et on se voit tous les trois mois, mais souvent le. Ah mais non, là le gars, il lui organise. Quelqu'un qui même, est là. C'est les séminaires, quand les séminaires, c'est lui qui organise et puis. Là, je sais pas. Ça, je sais pas. Ouais, c'est rare quoi. Je pense que c'est rare. C'est peut-être une forme très particulière d'investissement. Après, ça c'est souvent les business angels qui vont jouer ce rôle, qui vont être plus proches au début. Moi, ça m'est arrivé de faire des investissements et puis ouais, toutes les semaines on s'appelait, mais après on s'appelle plus. Enfin entre guillemets, ça dure un moment parce que sinon ça peut vite devenir lourd en fait. S'il y a rien de pire qu'un VC qui est trop hands-on. Donc par moment ça a du sens si c'est accepté, que c'est un contrat clair entre l'entrepreneur et le VC, très bien. Sinon, parfois, ça peut être un maxi boulet. Donc, le problème d'avoir un VC aussi, c'est qu'à un moment, dans la gouvernance, on n'est plus chez soi. Une colocation, ouais. Et oui, bien sûr. Donc, et je dirais que quand tout... En fait, ça peut poser des problèmes. Donc, après, c'est la règle du jeu. C'est normal. Hein. C'est normal qu'on ne puisse pas prendre toutes les décisions seul. Mais en tout cas, il faut bien le comprendre. Il faut l'accepter. Et si tu as la possibilité de pouvoir rester entre amis, entre familles, et pas avoir ce genre de choses... surtout sur des business où tu dois être capable de prendre des décisions très rapidement, parfois violentes, de changer complètement de direction, bah c'est bien de ne pas avoir en fait un fonds qui peut être en panique et qui va t'empêcher d'avancer, quoi.
Et du coup, la politique chez Blast, c'est en gros d'arriver à ventiler des tickets de VC avec des quasi-particuliers, on va Oui, ce dire, sont des des gens qui ont de particuliers, ce l'argent, sont des mais... gens, c'est des particuliers, c'est des gens qui... C'est peut-être pas des qualified non plus. Non, non, ils sont pas... En fait, c'est toute personne alors, qui a de l'argent et qui a de l'argent à investir et qui a les moyyens d'investir. CSP+, on va dire, Oui, c'est là. SP+, Voilà. c'est-à-dire que... Parce que on n'arrête pas de le répéter, l'investissement en start-up, c'est quand même risqué, hein, il y a beaucoup de volatilité et il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, en tout cas dont on n'a pas besoin à court terme. Donc, s'il y a quelqu'un qui a 10 000 euros au total... C'est débile de mettre 10 000 euros chez Blast. Il faut au moins avoir, je sais pas, 100, 200 000 euros pour mettre 10%, 5%. Bon, voilà, ça c'est la gestion en bon père de famille. Et ensuite, quand... Donc ça marche, en fait, c'est des abonnements, enfin c'est un ticket, où on dit en un an, par exemple, je vais mettre 10 000 euros et on va forcer à mettre sur 4 startups ou 5 startups minimum. C'est-à-dire que là aussi, on empêche quelqu'un de mettre tout l'argent sur une startup. Il faut créer... Tapis. Non, non, il ne faut pas, parce qu'en fait, il faut vraiment faire de la diversifier son épargne aussi dans les startups. Et ça, du coup, après, comment ça se passe justement en termes d'appui? Parce que c'est plein de particuliers que tu retrouves dans ton actionnariat. L'entrepreneur parle à qui quand il veut Alors, parler ouais, c'est une bonne à question. Blast? En fait, on crée des entreprises spécifiques, hein, on appelle ça des SPV, des Special Purpose Vehicles. On crée une boîte dans laquelle on met tous les actionnaires de Blast qui ont décidé d'investir, parce que c'est un club deal et on présente le deal et ceux qui veulent investir investissent. Donc, ils ont des parts en fait, du véhicule d'investissement et c'est le véhicule d'investissement qui rentre dans l'entreprise cible. Et les entrepreneurs, ils ont au board, moi par exemple, ou Anthony, ou quelqu'un d'autre, un peu comme dans un fonds classique, hein, où il y a un partenaire qui va être au board et représenter le fonds. Et donc, par exemple, si c'est moi au board, les entrepreneurs, ils parlent avec moi. Et c'est moi qui vais jouer un rôle d'accompagnement, d'être au conseil d'administration, vraiment comme un fonds normal. Et en plus de ça, il y a une communauté, un chat, c'est un Discord, mais bon, c'est un grand chat dans lequel tous ceux qui ont investi dans le club deal peuvent aussi... discuter entre eux, discuter avec, poser des questions aux entrepreneurs. Alors bon, c'est pas non plus, ils sont pas là tout le temps parce que c'est pas possible, hein, ils perdraient trop de temps. Mais en tout cas, il y a ce canal de communication qui existe. Et puis il y a un reporting régulier. Donc il y a la possibilité, en fait, pour la personne qui a investi, de pouvoir voir ce qui se passe et ensuite, et cet investissement, même si après elle est plus membre du club, elle le garde ad vitam, évidemment. Et comment vous avez réussi le tour de force à ne pas justement être qualifié en fonds d'investissement, en placement collectif en fait, parce qu'il y a un truc qu'on appelle la LPCC, c'est la loi sur les placements collectifs, qui dit que quand on gère de l'argent pour plein de gens alors que eux ne sont pas décisionnaires et qu'il y a un gestionnaire, bah ça s'appelle un fonds. Et la régulation des fonds, moi, allez, c'est à peu Alors, près aussi gros que le code de la TVA, quoi. Enfin, ouais, là, il y a alors je des peux pas, contraintes monstrueuses, en fait, je quoi. peux pas répondre à cette question parce que j'en sais rien et je veux pas dire de bêtises et ce serait à Anthony d'y répondre. Tout ce que je sais, c'est que en termes de régulation, il y a vraiment beaucoup de travail au sein de Blast. Il y a une grosse partie des équipes en fait qui sont des avocats, des fiscaux, enfin des juristes et toutes les autorisations sont là, les agréments. Donc, je pourrais pas dire de manière précise Comment ça marche comment parce ça que marche, etc. Et je veux pas le dire parce que j'aurais peur de dire une erreur, mais en tout cas, ça, c'est géré ils ont fait au mieux et tout est carré, quoi. du coup sur Bitcoin pour finir sur Bitcoin est-ce que pour toi Bitcoin c'est vraiment un placement bon père de famille pour mettre son argent à long terme et sécurisé quoi c'est-à-dire est-ce que c'est un pari gagnant c'est juste qu'il faut faire Faut juste être patient. Donc pour moi, oui, c'est Faut faire avec la volatilité, donc pas trop en mettre Exactement. C'est-à-dire que et YOLO, quoi. c'est évidemment risqué. Et je pense que la meilleure façon il y a deux principes fondamentaux. C'est un, c'est de rentrer régulièrement dans le marché et pas à un instant T. Donc c'est mieux, hein. Si on a 100 000 euros à mettre, il faut mieux mettre 10 fois 10 000 qu'une fois 100 000 parce qu'on ne peut pas timer le marché. Donc ça, c'est la première règle. En tout cas, si on peut le faire, c'est bien rentré comme ça. Et puis la deuxième, c'est d'oublier qu'on a investi. C'est-à-dire que si on commence à essayer de battre le marché en disant Ah là, c'est haut, je vais vendre pour acheter après, ça, c'est la meilleure façon de tout perdre. Hein. On n'est pas des traders, c'est un métier. Et puis même ceux dont c'est le métier, ils se font rect, ils peuvent tout perdre aussi. Non, c'est acheter, oublier et réfléchir long terme et le voir pour durer long terme. Et quand je dis long terme, hein, c'est plusieurs années, c'est pas 3 mois.
Et dans ces conditions-là, oui, c'est un investissement, je pense, qu'il faut faire, si évidemment on est capable de mettre cet argent à long terme et de ne pas en avoir besoin tout de suite. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est cet argent, dire « Ah, bah, j'en ai besoin maintenant parce que j'ai un gros problème. » Et je vends « Ah, bah, on est en plein bear market, donc j'ai perdu de l'argent. » Et qu'est-ce qui fait que pour toi, Bitcoin, justement, ce n'est pas un placement spéculatif sur sa réussite, mais plutôt c'est des problèmes de volatilité, mais quelque part… C'est une question de temps, quoi. Mais tous les gens qu'on reçoit nous disent « Non, mais Bitcoin, c'est increvable, en fait. » Et il faut attendre, mais ce n'est pas comme si j'investis dans la start-up du coin où je sais que j'ai, je sais pas, 3 chances sur 4 qu'elle fasse faillite. Ouais, parce que, c'est alors, quoi la différence entre un projet d'entreprise qui a des chances d'échouer énormes parce qu'il est, voilà, c'est une entreprise, et Bitcoin? Ouais, c'est un projet qui est décentralisé, qui a sa propre existence et qui donc ne dépend pas, absolument pas. En fait, la grande différence, c'est qu'il dépend de personne ou presque. C'est le honey badger. C'est-à-dire que ça existe, ça fonctionne. On ne peut pas exclure qu'il y ait un bug ou un act of God ou quelque chose dans le code, je ne sais pas, ou un ordinateur quantique. Enfin bon, c'est un peu de la science-fiction, mais voilà, on ne peut pas exclure qu'il y ait un problème. Une attaque de Jupiterien. Une attaque de Jupiterien. Mais pour que Bitcoin vraiment se casse la figure, pour moi, ça va avec l'hiver nucléaire. C'est-à-dire que pour moi, la seule façon que Bitcoin ne serve plus à rien et soit vraiment complètement inutile, c'est l'hiver nucléaire. Où là, oui, on aura d'autres problèmes et on n'aura plus les infrastructures pour le faire fonctionner. Mais sinon, je ne vois pas un seul scénario dans lequel Bitcoin, en fait, peut échouer parce que ça apporte une solution trop importante, une trop belle solution à un problème trop important qui est celui de la monnaie et de la manière dont on peut collectivement gérer de la valeur. Donc, ça traite de la confiance. Et pour moi, oui, c'est... Je vois pas de scénario dans lequel en fait Bitcoin ne fonctionne pas ou n'aurait plus de valeur à part celui de l'hiver nucléaire. Ouais. Donc ça va mettre sur le même plan que l'électricité, le feu, les cieux, l'écriture. Ouais, genre c'est ça. Oui, je pense. Oui, c'est une technologie qui a été inventée qu'on ne peut plus désinventer qui représente en fait, qui a réussi à avoir l'assentiment collectif de millions et de millions de personnes. Et que ce sera très difficile de revenir en arrière. Pour moi, impossible, en fait, de revenir en arrière là-dessus. On ne peut pas le désinventer, l'oublier ou le faire disparaître. Ethereum, alors, même combat ou... Est-ce qu'on est sur la même qualité? Enfin, est-ce qu'on est pareil sur une émergence, une invention émergente? Oui, je pense qu'il y a une véritable invention, parce qu'il y a une vraie différence en matière technologique sur ce qu'apporte Ethereum avec sa fonctionnalité et son objectif. Pour moi, je ne le mets pas au même plan, c'est-à-dire que pour Bitcoin, c'est vraiment la nouvelle définition de la monnaie. Et Ethereum, c'est plutôt une redéfinition en fait de comment pourrait fonctionner une entreprise de manière décentralisée, si je puis dire. Et donc, je pense que ça joue un rôle aussi important. Je pense que la seule différence, c'est que Ethereum pourrait, théoriquement, être remplacé par autre chose. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas, admettons, Cosmos, boum, il se passe un truc, ils réussissent à faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Je pense que je vois rien qui pourrait remplacer Bitcoin. Parce que ce n'est pas une course à l'innovation et ce n'est pas une course aux fonctionnalités. Alors que Ethereum, c'est quand même une course à l'innovation, aux fonctionnalités. Il y a encore plein d'updates nécessaires pour arriver à quelque chose de vraiment utilisable, parce que c'est beaucoup plus complexe. Et donc, Ethereum pourrait se faire remplacer par quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je suis moins absolu sur le fait que dans 10 ans, Ethereum sera toujours là. Enfin, probablement, parce que je pense que c'est peut-être celui qui a le plus d'avance, qui est le plus... Mais, là, il y a plein de scénarios que je peux voir dans lesquels Ethereum disparaît. Alors pour Bitcoin, non. Du coup, si tu avais un portefeuille à faire Bitcoin, Ethereum, c'est quoi le pourcentage entre les deux? 100% Bitcoin. Ah ouais, carrément. Même pas un petit pourcent pour Ether, rien. 10%, allez, si vraiment on est joueur. Parce que je t'ai posé la question, quoi. Ouais, mais en tout cas, moi, c'est tout 100% Bitcoin. D'accord. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Alors oui, j'ai des petits... Enfin, j'ai aussi des Ethers, j'ai aussi des machins un petit peu. J'ai aussi des Cosmos parce qu'en fait, j'avais participé au tout début, donc j'en ai. Si demain, je dois acheter quelque chose, j'achète du Bitcoin, pas rien d'autre. Eric Larchevêque, merci beaucoup. À bientôt.